Justement, si Elsanor compte partir, du coup, il va falloir que je ne l'oublie en aucun cas. Putain, mais Bakugat, lui, il est dans un autre monde, il est en train de vivre sa meilleure vie avec Faryu. Je me suis renseigné et il y a des gens qui disent quand ça marche pas, c'est souvent à cause des... Ça va? Oui, non, mais je vais voir combien de temps tu vas mettre à manger. Salut! Ouais mec, Ouais. c'est trop bizarre. Quoi comme? Je sais pas, on aurait dit un fantôme. Un fantôme? Il y a des fantômes dans le village. Eh les gars, les gars. Oui. Wesh! Putain, tu reviens après les morts, toi. Et du coup, il s'est passé quoi, Logan? Ça fait 10 ans, t'as plus? Dans un immense mindshock. Dis donc, comment ça se fait que tout le monde est chez moi? Moi, je suis mort et tout le monde est venu. Comment t'es mort, mec? Ah oui, bah, je suis récent, c'est vrai. Salut! Vous avez vu le caca, T'inquiète. quoi? Enfin, Ok. Ouais, le caca, bon, il est passé. Il a dit, il a pris 14 diamants. Wesh! Et vous êtes bien! Vous avez vu? Et Logan, mais Logan, t'as une base du coup, toi? Non. Ah bah non, voilà. Moi aussi, j'ai pas de maison. Yeah, Alsanor, tu fais quoi depuis tout à l'heure? Lui, c'est un vagabond, il vagabonde. Voilà, disons que je me suis perdu dans des grottes dont je soupçonnais pas l'existence. Mais mec, je suis tombé sur la réponse. Oh, Farlio! Lucas, tu fais Je suis quoi? tombé. Bah, je suis mort et je suis tombé sur tout le monde, alors j'ai parlé. Je savais que t'étais mort. Le gars, il a fait 4 dégâts. Ah, dans son sac, j'ai entendu. Attends. Quoi? Tu me fais pitié avec ton casque en enculé. Mais j'adore! Vous faites comme Mais vous. Putain, les gars, les gars, y a pas de vache. Tu exploses mon crâne. Mais y'a aucun animaux, mec, c'est une dinguerie. Palapa, papa, palapa, papa, 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 papa. C'est trop gay ce que je t'ai fait. Je me fous. Non, mec. Ouais, bien, 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 bien. Ouais, je pourrais un villageois, dégage toi, putain! T'as pas vu les Turcs qui l'ont fou? Du con quoi. Oh, hello! Genre vraiment, derrière, c'est abusé. Ouais, bah non, alors ça vaut pas la peine. Mec, c'est que j'ai trop le seum. Lille, genre là, je vais. Oh putain, merci, 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 enfin des gens bons sur cette terre. Lias, j'oublierai jamais. Le gars, en fait, il est comme rêve, il a que Nintendo, le gars, il vit pas Nintendo en fait. Ça te pose un problème, mec? Mec. Non, non. Non! Ouais? Vérifie s'il y a personne autour. Ouais. Tu vois? Il faudrait qu'on aille voler chez Logan. Il y a des trucs super intéressants. En vrai, ouais, parce que lui, il est bien en plus. Hein. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on aille voler chez lui. Donc je t'envoie comme mission d'y aller parce que moi, c'est trop suspect. Vas-y. On devrait trouver un nom à ce village quand même. Merci. C'est ici votre base? Ta gueule, toi. Ok. Merci, Ilias. Ah merde. Il y a tout sur toi, je te jure, ça va pas être blague. Putain, bon, moi j'y vais. Salut Lucas. Bah, il est là. Oh, Lucas. Ouais. Tiens, je viens dans la base. Vas-y, j'arrive. Oh, merci. Ah, mais j'ai un plastron. Merci. Parce que moi j'ai farm. Mec, est-ce que t'as de la poudre? Non, j'imagine pas que t'as tué des silex. Non, j'ai pas de poudre, mais j'ai de la chair putréfiée. Pour faire une genre de un passage de grotte assez réaliste. Ouais. Là, tu vois. En fait, moi j'ai une idée. Genre mettre des dalles pour avancer. Là à gauche, t'aurais, je sais pas, l'enchantement. Ok. Ici, t'aurais. Ah, c'est bien! J'ai pas les moyens, quoi. Putain. Ah, ouais, mec. Ouais. C'était quoi la base là où je t'ai vu? C'est la base de l'Oroxy. Oups. Pourquoi y'a quoi? Je te volais 9 de fer. Là, notre but à Chris et moi, c'est de piller Lucas Klein et Logan parce qu'ils sont vraiment bien eux. Attends, bah, c'est quoi? Je vais faire un petit délicieux. Là, chez le boss, va dire: Ouah, mais l'ours polaire, c'est le boss en fait. Alors, j'ai pas plus bien, de. Bonjour.
Ouais, vas-y, vas-y. Hello! Cool les gars! T'es full gum! Ouais, c'est bien, j'ai trop hâte. Vous allez faire une forteresse, vous allez faire quoi? Oh, une maison. Une maison sympa. Mais en tout cas, bonne chance. Ouais, bonne chance pour la maison. On va continuer, nous. Vas-y, vas-y à tout de suite. A plus tard, hein. On se reverra. Pourquoi ça? On se reverra. En plus, j'ai juste à ouvrir leur coffre, à tout prendre. Et appuie sur l'interpère. Wouah, mais mec. Non, franchement, ça c'est en cas d'extrême urgence, faut que tu gardes ça. Le rôle, toi t'es en alliance ou pas? Moi je suis en alliance avec ma maison. Ah bah en tout cas, si t'as besoin de nous, on est là, t'inquiète. Mais n'hésite pas, nous on te fait confiance, le Roxy, alors s'il y a un problème, dis-nous. Ouais. Yes. Vas-y, bah. Ça marche. Ciao. Wesh. Dis-toi pas. C'est pas que je l'ai volé, Par contre, Ali, c'est un bon quoi. Objectif commun, il est avec nous, il va pas nous mettre à l'envers lui. Ouais, mais après je l'ai volé sur le fond. Ouais. Ça, faut pas dire. Ouais. Il va y avoir ça. D'être foutu comme ça. Regarde ce que je suis en train de faire. Vas-y, je regarde Spy. Ah ouais. Ah ouais, ok. Ça va être big truc. Toi, tu vois pas les choses en petit. Hein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. On veut lui voler ses cultures. Il lui casse la gueule. Comme. Viens mec, viens. Ok, ok. Oh, j'ai compris. Chut, chut. Il est près de la base. Ils sont là-bas. Ils ont pas vu, faites gaffe. Mais non, on fait un chemin sous terre. Ah! Vous voulez que je les distrais? Non. Ouais, si. Vas-y. Hello les gars! Ah. Tranquille, hein. Attendez, je vais essayer de t'aider, mais j'ai pas beaucoup de cœur. Logan, il est où? Dans la grotte. Dans quelle grotte? Ah là! Ok. Mais non. Ça va, Logan? Oui. Logan, à voir. Ouais, t'inquiète. Vous avez été énervé. Ouais, non, Logan, il est en train de faire une grotte. Vous avez fait une passée, quoi? En fait, je suis allé. Pas mal. Mais il y avait pas grand chose d'intéressant. Il est parti où, Fario? Ah merde! Bah, du coup, ça sert à rien. Fario, je sais pas, il est pas là. Ouais. Non. Bah, du coup, on laisse tomber. Je retourne chez moi. Ah, j'ai pas de soucis. Ouais, ok. En fait, ils s'en fichent, genre. Mais c'était une légende. Putain. Bon bah, ciao Logan, nous on va y aller, hein. Ouais, ciao. On est triste, je crois qu'il s'est fait prendre. Ah ouais? Bah, en fait, je suis vraiment de l'incendie. Je crois qu'il y avait Logan et tout qui dit wesh, les gars, vous faites quoi? Bien. Ouais. On essaie de piller, mais en fait, y'a rien d'intéressant dans les coffres, c'est dommage. Ouais, vous voulez vraiment les voler en fait. Mais la légende dit qu'ils ont beaucoup de diamants. Oui, attends, j'ai aussi entendu parler. Attends, c'est qui là-bas? Chris, fais avoir. Oui, je me suis fait choper. Y'a beaucoup de diamants? Bah, pas du tout, mais c'était pas dans le coffre, mais y'avait des livres. Putain. Non, mais. Tranquille. On dit, t'inquiète, nous on te fait confiance. Est-ce que je vais leur redonner ou pas? Ouais. Je fais de l'échange, je vous donne le stuff que vous avez contre, je sais pas, contre 10 diamants là. Bah après ils ont des livres, on peut enchanter. Je leur dis, vas-y, je prends tout le stuff que j'ai pris, en échange je vous donne 10 diamants. Parce que grand max, j'ai 11 diamants. Bah moi j'ai 15 diamants. Moi j'en ai 0. Bah coup 4. Attends. Viens, je te donne 5 diamants. En échange, je prends juste ce que j'ai pris. Et t'as pris quoi? J'ai pris des livres. Il sait même pas. Attends, ça se mince. Tu t'en fous? Ça se mince. Ok, parfait, merci, ciao. Ah, ok, merci. Hein. Putain, on lui offre ça. Ah, c'était gentil. Putain. Pour aller en chant. Ta-ta-ta-ta. Putain, Alsanor fait longtemps du coup. En tout cas, je n'oublie pas mon objectif premier. Mais bon, il est trop tôt pour en parler aux autres de ça. C'est pas pour rien quand même que j'étais parti en forêt. Il est en train de nous trahir. Ah bah non, c'est Lucas. Ouais. Tu faisais quoi? Non, vous parlez de moi là? Bah je voulais te demander, il est où Lucas? Et il dit pourquoi il est pas là, et Christian a dit parce qu'il veut nous trahir. Putain. Non mais tu vas pas faire. Non. Tu vas nous trahir? Oui ou non? Tu vas nous trahir? Non.
Nous, Lucas, on fait quoi? Nous, on doit partir pour trouver des vaches. Hein. Ouais, mais mec, moi, du coup, j'ai cherché là, mais j'ai rien trouvé. Mais je pense qu'on va, nous, on va partir en explore. Hein. Je pense. Après, faut pas oublier, on est sur une putain d'île, alors y a vite l'eau. Let's go. Ah merde, parti, un putain de creeper. Chris, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Y'a un mouton. Let's go. J'arrive. Ouais. Vas-y, recule, cache-toi. Ah merde. Mec, il m'a tué instant. Créer un business en vend de la bouffe. Mec, nous si on le fait bien, je pense que ça peut marcher. Ouais. Parce que c'est toute l'île en a besoin. Là, si on réussit à faire un bon truc, mec, mais on en ressort vainqueur, mais de fou. Bah, parfait, mec. On y est? Oh, let's go! Parfait. La vie de Dogo. Voilà. Wesh! Ouais? Vas-y, viens. Bon, en tout cas, on a trouvé de la bouffe, nous. C'est parfait. Je rentre à la maison, moi. Putain, Scarpy, cook, hein. On a déjà le nether. Bon, après cette belle exploration, on va voir comment a avancé la maison des autres. Wesh. Ça fait plus chier ta vie. Mais frère, je suis... Mais bon, par contre, tes trucs... Fais gaffe, il y en a. Il va peut-être se présenter lui aussi. Voilà. Ouais. Du coup, je lui dis, ils vont se présenter. Tout le groupe là-bas va se présenter. Faut ça va, mec? Ouais, ça va, mec. Ça va, c'est tranquille. Tu fais quoi? Non, bah. En gros, là, je rentrais d'exploration et je voulais voir comment vous allez. Genre, tu voulais dire un truc ou ça va? Non, tu vas bien, mec. T'inquiète. Bah, je sais pas, tu regardais par la fenêtre comme ça. Non, mais je vous ai vu et là, j'allais venir en fait. Là, ça fait vraiment une seconde que j'étais devant la fenêtre. En sneak. Ouais. Hey mec. Ouais. Je sais pas si t'as remarqué, mais Yalsanor, avant il est venu et tout, il a dit mais l'île elle est vraiment éclatée et tout, y a pas de concessionnaire Mercedes, y a pas de garage, y a pas de McDo. Mais il veut qu'on construise un parking ou quoi? Bah, après il a construit un bateau et je crois qu'il s'est barré. Il s'est barré? Ouais, je crois. Ah putain, je savais pas. Pourquoi il est... Mais là il revient plus genre. Je crois qu'il reviendra pas tout de suite. Hein. Putain, le fils de chien. Il a dit de toute façon j'aurais pas dû rester avec des gueux. Bon bah je vais prévenir les autres hein. Parce que chaud. Ouais, mais je vais venir avec toi. Vas-y. Sinon je voulais vous dire avant. Il a dit qu'il partait. Genre Ouais. Bah regarde, on crée un McDo là, faut qu'il paye 10 diamants pour avoir une côtelette de porc. Voilà. Je pense qu'il va être heureux là. Je crois que c'est un peu cher, mec. Oh, non, pas du tout, les gars, pas du tout. Tranquille. Aussi, le Rooksy, quand on aura fini les maisons, franchement, moi je propose qu'on se fasse une putain de mairie. Comme ça, on fait un tableau d'affichage et on peut, par exemple, nous on veut lancer notre business. Comme ça, on pourra proposer des trucs et tout. Ouais, je suis d'accord. Mais vas-y. Justement, vous avez prévu de vous présenter? Moi, je me présente sur 100%. Yo, hein? Ah, Ilias, on va créer notre business, viens. Oui, j'ai 10 diamants. Diamant contre 5, ouais. C'est du corps qu'on était par halal. Ah mais putain, mais vous êtes trop con avec Ilias, ça marche pas, jamais de la vie, va acheter. Bah oui. Les gars, n'allez pas là, derrière moi, c'est privé. Ouais. Ça va pas rentrer. Bah, on nous a dit qu'il y a une surprise. Ouais, il y a une surprise, mais n'y allez pas. On pourrait y aller quand? Bah, d'ici quelques... pas maintenant. Même pas prévu ce con d'Alsanor qu'il allait partir. Il aurait pu prévenir. Bon, je vais sans lui. Julien. Oh putain. je suis allé chez Egan et tout. Ouais. J'ai une petite trappe, mais dans la petite trappe, je pense qu'il y a des choses intéressantes. J'ai l'impression qu'ils ont utilisé nos chemins. Ah ouais? Viens, on essaie de se rapprocher. Vas-y, bien là. J'ai besoin de style. Y'a deux pseudos là. Ah, salut! Hey, t'as un poulet dans ton truc. Eh, hey, ton lasso. Ouais. Tu me votes à l'élection. On verra quand on fera les débats et tout. Putain, t'as rage, les gars. J'arrive. Je crois que c'était là. Ah, c'est ici. Parce qu'il y a un casse-nique. Si on s'entend, on est vraiment dans la merde. Je
je reviens. Vas-y. Attends ici. Ok, ok, j'attends, j'attends. Oh mec. Ouais. C'est... Vas-y, cours, cours, cours. Et donc en fait, ils ont rien de spécial pour l'instant. Ok. Mec, on a le chemin pour y aller. Ok, alors c'est parfait. Là, on va aller voir comme ça. Ouais, vas-y. Oh le gars. Ça va, tout se passe bien? Ouais, tout se passe bien. Là, on a fini notre maison. Oh, c'est parfait. Après, peut-être quelques fenêtres, parce que là, c'est vraiment refermé. Ouais, tout quelques fenêtres, ouais, mais il faut du sable. Vous avez du sable ou pas? Ouais, j'en ai un. Ah ouais, ah, merci. Ouais, merci. Pas de problème. Pourquoi j'ai donné du sable? Comme ça, au moins... La façon, je dis, oublie pas le sable que je t'ai donné. Excellent. Eh oui, je vous avais tous perdu la connexion ou quoi? Re, je suis désolé, j'avais les voix dans ma tête, des voix dans ma tête qui me parlaient. Scarp, pourquoi il... des voix dans ta tête? T'inquiète, j'ai deux trois problèmes cérébraux après la mort de ma famille. J'ai l'impression que des fois ma famille me parle. Vous avez pas trois papiers par hasard? Non, j'ai vraiment pas. Hein. Attends, je demande à Julien. Non. Ok. Vous avez un canne à sucre. Non, on est en recherche de canne à sucre. Si je vous en apporte, est-ce que vous me votez? Mais t'es fou. Bah, réponds. Hein. Ouais. Ouais, on verra, hein. On verra. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Quoi? C'est quoi ça? Putain, tu me fous trop. Je suis pas comme ça. Pas bien de te faire enculer, Lucas. Et bah, tu sais quoi? Non. Voilà, voilà, voilà. J'avoue, tu m'as baigné là. Putain, et on a bien avancé en une soirée, on a fait une base de fou. Ah, on a une belle vue et franchement, on est à un bon endroit, c'est trop bien. T'as pas vu des chiens quelque part? Ouais, aucun chat, que des chiens. Il y en a mille des chiens, mais des chats. Putain. Mais quand on s'est réveillé sur l'île, on était allé dans un village avant qu'on aille sur cette île là. Ouais. Dans ce village là, il y avait des chats, mais il faudrait partir de l'île carrément pour que tu trouves des chats. Mais... Après, pas besoin de rester tout le temps sur cette île quoi. Autant oui, ça, je pense qu'on fera des expéditions tous ensemble. Bah, en tant que représentant du village pour l'instant. Bon bah, on a bien travaillé. Est-ce que vous pouvez faire un point sur pour l'instant ce que vous ressentez par rapport à cette aventure? Le manque de confiance. Ouais. Pourquoi Logan? Ah, parce que. Mais y'a quoi? Y'a quoi Logan? Y'a quoi? Ah, t'inquiète, y'a. Dis, sinon je te Je propose qu'au demain on fasse un petit vote pour savoir la personne qui serait le plus digne dans ce village pour représenter ce village. Ouais. En gros, le maire quoi. Là. En gros. Qui se présente? Moi. Voilà, tous ceux qui se présentent, mettez-vous là-bas, là. Il y en a que deux. Ouais, les gars. Let's go. Moi. Ouais. Pour moi, ça fait 3 en fait. Ouais, 3, c'est bien. Vous aurez toute la nuit pour réfléchir à ce qui va être. Moi, je propose qu'on fasse le tour de chacune des maisons. Vas-y. Parce que vous êtes chaud. Il y a une entrée en bas, je suis sûr que personne l'a vu. Oh, moi, je l'ai pas vu. T'as trop moche, la maison. Le parquet. Ah, merci. Eh, hey, c'est la maison du gars dans le bois dormant quoi là? Dans Merlin l'Enchanteur. Ouais, ah les gars, vous m'avez oublié. Demain je finirai et je mets sur la maison, je mets sur la maison. Non. Ouais. Mais arrête. Alors, là il y a l'entrée tranquille. Chambre, cuisine. Cuisine. Ah là quoi. Eh, on est dans le château ambulant quoi là. Il montre sa maison maintenant. À nous. Rien, je t'ai caché la drogue. Ok les gars. Bienvenue. Du coup c'est notre futur business, n'hésitez pas, hein, c'est ici. Logan, ne résiste à la tentation. Non. On n'a pas le droit, Eh les gars, on est dans la cabane, la famille dans la cabane ou quoi? J'espère en tout cas que notre maison vous plaît. Je préfère la mienne. D'accord. Putain. Arrête de casser les couilles toi. J'ai rien fait. Elle est remplie. C'est une maison ou une boîte de nuit? Elle est remplie la maison, hein. Elle est remplie la... Bon, c'est la maison du futur. Bon bah je vous propose d'aller au milieu du village pour afin de se dire bonne nuit. Je lui lèche les pieds. Ne t'en fais pas, j'ai vraiment un cœur et demi. Oh pardon. Ah yes. T'en as fait quoi des livres? Au moins dis ce que t'en as fait au moins. Tu me donnes 5 diamants, je te le dis. Oui, allez. Allez, vas-y. Moi je vous dis bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, à demain. À demain. Vas-y. Ciao. Wesh. Non. Ouais. Ça va le Roxy? Ouais. Mais ça va, t'inquiète, elle est cassée pour faire une meilleure maison.